Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Moi j'ai trouvé ça très joli, c'était bien. Ouais, ça m'a plu. Oui, 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 ça m'a bien. Et vous venez de où? De Cassagne-Vivoyenne. Bah, c'était très joli, très bien, j'ai bien aimé. Bah, écoutez, le feu d'artifice était magnifique. Oui, déjà, les enfants avec le spectacle, ouais. Superbe. L'année dernière, c'était on avait déjà un très beau spectacle et cette année, bah, nous ne sommes pas déçus.
c'est même supérieur. D'accord, donc l'année prochaine vous venez ? Absolument. Oui. Absolument. Oui, c'est magnifique. J'y viens chaque année, ça fait 3 ans que j'y viens, c'est super. Chaque année ça change, c'est différent. Chaque fois c'est beau. Moi j'y vais très artistique. Et puis excellent. C'est magique. C'était magique. Comme chaque année, c'était très bien, très beau, féerique. D'accord, donc vous êtes déjà venu ? Oui, plusieurs fois. Et est-ce que moi, vous reviendrez ? Ah, moi, oui. C'est une première. Ah, nous, c'est une première. Ouais, ouais, c'est une première. On reviendra. Ça fait rêver, plein de lumière, plein de couleurs. C'est très sympa, très très sympa. Et vous venez de où ? De Toulouse. De Toulouse, ouais. On a fait le détour spécifiquement pour venir ici. Donc c'est vrai que c'est très agréable. Moi, en tant que maire, ce que je ressens, c'est ça apporte une certaine notoriété. Et cette année, ça se confirme. On a eu quand même des entrées, pas mal de gens se voient de la place est pleine. Et j'espère que de plus en plus, ça nous fait connaître Sauveterre hors de notre commune, dans le département, et peut-être pérenniser cette fête dans les années à venir. D'accord, donc vous faites une spécialité quand même d'accueillir des manifestations culturelles. Est-ce que c'est une volonté de la mairie en fait, de justement promouvoir cette culture ? Une spécialité d'accueillir des manifestations culturelles, oui, on a déjà un patrimoine, un cadre aussi qui permet, comme le festival en Bastide, la fête de la lumière ou autre, de pouvoir accueillir ce genre de manifestations. Et aussi, c'est à travers ces spectacles culturels, ces manifestations culturelles aussi, qu'on fait, il y a un certain développement économique sur la commune. Ça nous apporte un certain développement économique sur la commune. Et en plus du polo d'artisanat qu'on a sur Sauveterre aussi, apporter une certaine publicité, une notoriété sur Sauveterre. D'accord. Aujourd'hui, il y avait plein de monde, une place noire de monde. Vous en êtes fiers ? J'en suis très fier. Et je souhaite dans l'avenir que ça se pérennise et que Sauveterre prenne une dimension différente et encore plus importante que ce qu'elle est, que ce soit au point de vue touristique, culturel et aussi artisanal, puisque nous avons l'artisanat aussi qui compte pas mal sur Sauveterre.